Vous souhaitez cacher votre liste d'amis Facebook du grand public. Mais quelle idée! C'est facile à faire, de la version web comme de la version mobile, je vais vous montrer. Et n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires pourquoi vous souhaitez cacher votre liste d'amis, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à voir pourquoi on fait ce genre de choses si votre compte est déjà privé. Bref. Merci de visionner cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus d'astuces sur les réseaux sociaux, plus de tutos sur les applications. Cacher sa liste d'amis Facebook, c'est de plus en plus commun. Donc je vais vous montrer deux petites méthodes. Premièrement, on va regarder la version web de Facebook. Donc connectez-vous sur facebook.com et sur votre compte. Là, il vous suffit simplement de vous rendre sur votre propre profil et de cliquer sur votre liste d'amis. Sur votre liste d'amis, tout en haut de la liste, vous avez un petit crayon qui est là pour pouvoir changer les paramètres. Cliquez dessus sur gérer et modifier la confidentialité. Et là, vous avez plusieurs critères en fait pour cacher votre liste d'amis. Voilà, vous avez vu, c'est tout simple. C'est encore plus simple sur la version web que sur la version mobile, pour une fois. Donc sur la version mobile, ouvrez la version mobile de Facebook et cliquez sur les trois petites lignes horizontales en haut à droite qui sont là en fait pour accéder aux paramètres, pour vous faire accéder aux paramètres. Ensuite, il faut vous rendre dans l'onglet paramètres du compte, puis dans confidentialité. Ouais, pour une fois, ça paraît logique leur classement. Et ensuite, vous avez l'option pour gérer qui peut voir votre liste d'amis, ainsi que qui peut voir vos listes, vos pages, tout ça, tous les trucs que vous aimez. Donc voilà, c'est tout simple, c'est ici. Sélectionnez les options que vous souhaitez et c'est bon. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous invite à vous abonner pour plus de tutos, d'astuces, tout ça sur les réseaux sociaux et les applications.